Oh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Agnès, donc, qui est coach en performance, qui est dans le programme de l'Académie de haute performance, identité gagnante et technicien dépolarisation. Donc, elle va nous faire aujourd'hui un retour sur ses formations. Salut Agnès. Agnès, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Pierre, oui, je vais me présenter en quelques mots. Donc moi, mais comme il l'a dit, je suis coach en performance mentale du rugbyman professionnel. Et moi, je suis issu d'une formation Action Co, BTS Action Co, avec 15 années de commercial en assurance. Et il y a 5 ans, j'ai fait une reconversion pour passer un master en coaching avec une école franco-canadienne. Et suite à ça, en 2018, j'ai créé mon entreprise de conseil et de coaching auprès des dirigeants d'entreprises du bâtiment, jusqu'à 10 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Voilà, et je suis donc nouvellement entrée dans l'académie parce que justement je cherchais à réaliser un rêve que j'avais quand j'avais 20 ans, c'était d'accompagner les rugbymen professionnels Ok. dans la prépa mentale. Et moi, pour avoir été joueuse de basket en National 3, et même jeune, je faisais des sélections et tout ça. C'est vrai que ça m'a toujours intriguée parce que moi, j'ai toujours très mal géré ma pression. Et j'ai toujours rêvé de me dire, mais comment on fait? Comment je pourrais gérer ça? Et donc, et voilà, j'ai découvert l'académie à la fin de l'été. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui a fait que l'Académie de haute performance a retenu ton attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est ton parcours et ton discours. En fait, OK. ça a résonné. Parce que moi, j'ai quand même cherché 3-4 mois. J'ai regardé tout ce qui se faisait. Je cherchais quelque chose sur lequel mon intuition, ma petite voix allait me dire c'est ça. Donc, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que j'allais le savoir. Et en fait, quand j'ai découvert l'académie, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tu as vécu. Ton vécu, tu l'as vécu dans la chair. C'est-à-dire que c'est pas de la théorie, tu l'as vraiment vécu. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Et après, ça s'est enchaîné parce que j'ai beaucoup aimé l'accueil que j'ai eu à l'académie, OK. hyper décontracté, parce que j'aime pas tout ce qui est, j'aime le protocole et la méthode, mais j'aime pas tout ce qui est trop conventionnel, trop. Et là, je me suis vraiment sentie accueillie comme moi, j'aime être accueillie et comme j'accueille les gens. Donc ça a été voilà, ça a continué ma dynamique de décision. Yes. Et après, j'ai lu le livre aussi. T'as Et lu le livre? là, Ok. ouais, voilà, j'ai lu le livre et à partir de là, j'avais une vision globale parce que moi, j'avais lu le livre de Manie Hessane, j'avais fait pas Ouais. mal de trucs, sans aller aussi loin que toi, mais je me suis dit, ouais, il a fait tout ce. Enfin, il a. Comment dire? Il a un concentré de tout ce que j'avais un peu regardé. Donc je Ok. me suis dit, c'est parfait. Il l'a fait, j'ai pas à le faire. Je me suis dit, c'est cool. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, donc tu as gagné du temps forcément à travers Ouais. les formations Institut Hussein avec Manie Hessam, en effet, de John DeMartini, pas mal. Ouais. École centrale d'hypnose, Institut de neurosciences. Et du coup, qu'est-ce qui. Là, aujourd'hui, donc tu es rentré dans le programme. Qu'est-ce qui a, par rapport à tout ce que tu avais vu en école de coaching, plutôt, bah, on va dire, ce que tu avais vu en école de coaching et ce que tu as découvert à l'Académie de haute performance, quelles sont pour toi les différences, les points forts, les choses qui t'ont peut-être surprise? Ouais. Alors, il y a deux choses. Moi, je viens de finir le programme Identité gagnante. Donc, j'ai vécu une transformation personnelle. Donc, les mots que je pourrais mettre dessus, parce que c'est très compliqué. C'est pas facile à expliquer. C'est que des sensations. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu une dépressurisation, mais complète. C'est-à-dire une chute de la pression interne de ma cabine. Parce que moi, j'étais hyperactive et en même temps très je mentalisais beaucoup. Okay. Donc ça a été vraiment ça. Après, dans l'identité gagnante, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est hyper simple et c'est hyper profond. Moi, j'ai deux questions que j'ai gagnées et qui me font en fait c'est mes questions que je me pose tout le temps. C'est qu'est-ce qui est important pour moi là et qui je veux devenir. Et avec ces deux questions, en fait, je me recentre systématiquement. Donc ça, c'est vraiment le programme de l'identité gagnante que je viens de terminer. C'est vraiment ça.
Donc, la transformation, ben, c'est que j'ai commencé début octobre. Et en fait, ben, voilà, il y a un mois, j'envoie un mail au plus gros agent de joueurs de rugby monde professionnel. Et un mois après, jour pour jour, en ayant les vacances au milieu, même pas. Ouais, un mois après, ben, je coach mon premier sportif. Donc, en un mois, je suis passé de la Agnès avant, coach entrepreneur du bâtiment dans le coin. Voilà, et j'aurais pas misé un demi-centime sur que ça se fasse aussi vite. C'est pas possible. Donc voilà, ça, c'est ma transformation perso. Après, ouais. la grosse plus-value de la formation technicienne des polarisateurs par rapport à ma formation que j'ai eue moi et à ma pratique de coaching, c'est la promesse d'une transformation, ouais. la promesse du délai. En fait, c'est la corrélation des deux, parce qu'en coaching, moi et les autres, on arrive à du résultat en ANAP, même au-delà des attentes, dans un certain délai, mais corréler les deux, c'est vraiment la grosse plus-value de ton programme. Donc ça, c'est ça que j'ai trouvé. Et après, le ultra confort pour les coachs, c'est la méthode processée et sous forme de parcours. Et ça, c'est hyper, 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 hyper confortable pour moi. Parce que traditionnellement, on a plein d'outils, on peut faire plein de choses. Et donc, on se pose plein de questions de savoir. Alors que là, en fait, il y a une méthode avec des étapes. Et à chaque étape, on a un process à suivre. Et donc, c'est hyper confortable. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école de coaching ou même des coachs. Et en fonction de chaque individu, on s'adaptait. Là, en fonction de ce qu'on appelle l'anamnèse, donc l'entretien de démarrage, on sait exactement, on a un process en quelques séances qui est défini séance 1, tu fais ça, séance 2, tu fais ça, séance 3, tu fais ça. Et on sait que vu qu'on arrive, qu'on travaille directement sur l'identité, on sait qu'avec n'importe quel individu qui a ses problèmes spécifiques identifiés lors de l'anamnèse, bah, on sait qu'en suivant juste le process, c'est comme à McDo, en fait, les frites, qu'elles soient de Paris ou de Nantes, ça va être les mêmes. Donc, en effet, ouais. Donc ça, c'est confortable. Voilà, c'est ça. C'est de pouvoir, de pouvoir vendre une promesse dans un temps imparti. Et en plus d'avoir ce confort et cette facilité avec un outil. Et on l'applique quoi qu'il arrive, on ne se pose plus de questions. Mais c'est hyper confortable. C'est vraiment top. Ouais, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans ta faculté d'être à l'aise ? Genre, je sais que quand on est dans les écoles de coaching, souvent Moi, mes mentors me disaient ça à l'époque, on ne fait pas de promesses aux gens. Et là, tu arrives en mode, je suis capable de te faire une promesse. Comment ça, tu le vis d'être capable aujourd'hui de promettre à quelqu'un un résultat ? Mais alors, je le vis très, très bien évidemment. Mais non, c'est surtout que, voilà, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est que le fait d'avoir vécu la dépolarisation, moi, j'ai vécu ma transformation en un mois. Ouais. Alors que j'aurais pas misé, voilà, moi je t'aurais dit, mais non, moi tu rigoles, c'est les vacances de Noël en plus. Donc déjà, moi je l'ai vécu. Donc, et le fait de pouvoir, quand j'ai contacté l'agent de joueur, en fait, le fait de pouvoir vendre un résultat, une transformation, un résultat en un temps donné, ça aide à mettre un tarif en mode forfait, parce que c'est vrai que dans le coaching, on te dit souvent, oui, il ne faut pas te vendre à l'heure, il faut vendre un forfait. Oui, mais tu vends un forfait quand tu es capable de vendre un résultat dans un temps imparti. C'est beaucoup plus facile que de vendre un forfait. Donc, c'est ça, en fait. C'est que, en tout cas, moi, je ressens beaucoup moins le syndrome de l'imposture ou de l'imposteur, au départ, en fait. Parce que moi, ce qui était très compliqué, c'était les deux, trois premières séances où il n'y a pas de résultat encore parce que la machine se met en route. Et alors que là, en fait, j'ai plus ce syndrome. Ouais, voilà, là, je suis sûr. Donc, c'est pas grave. La première séance, il ne se passe rien. Faire la première séance de découverte ou comme ça. Alors qu'avant, je voulais un effet wow systématiquement. Là, je sais qu'il y est. Et en plus, je sais que c'est un temps imparti et que du coup, ce que j'ai vendu et le tarif que j'ai vendu, mon offre, elle est OK. Je ne me pose plus de questions. OK. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à faire cette formation-là ou qui a déjà fait des formations coaching, qui se dit bah, encore une, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce que tu lui recommanderais ? Quelqu'un qui hésite, je ne sais pas, de faire déjà le programme de l'identité gagnante, parce que déjà, il va le vivre.
Et c'est là où on se rend compte que oui, on le vit dans notre chair. Donc, moi, je lui conseillerais. Alors, non, je sais ce que. Parce que moi, j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai mis du temps à me décider. Je n'ai pas acheté de suite. Il m'a fallu réfléchir parce que moi, c'est vrai que j'aime pas les achats impulsifs et tout ça. Et en fait, c'est d'aller regarder les vidéos les vidéos de témoignages. Parce que ça, c'est vraiment le parler de celui qui l'a vécu. Ben, ça résonne ou ça résonne pas, mais en tout cas celui qui hésite, je lui dirais ben, va sur le site ou sur Insta ou sur Facebook et regarde des vidéos de témoignages parce que moi je sais que celle qui m'a vachement convaincue c'est celle d'Isa. Un diplôme universitaire en effet, Isa. Ouais, voilà, Isa ça m'a convaincue diminution de charge mentale, légèreté, c'était mes mots à moi, ça m'a résonné à moi, donc dans le lot de témoignages on arrive à trouver les mots qui nous résonnent ou pas et ça aide à prendre la décision en tout cas. Ok. Voilà. Bon, voilà. Donc, les témoignages. Et après, voilà, moi, ce que je peux assurer et garantir à un coach qui hésite, c'est qu'avec cette méthode, ça va être beaucoup plus facile pour lui. C'est vachement plus confortable. Donc, s'il cherche une méthode de parcours processé avec une promesse, une garantie de résultat et pouvoir faire une offre au forfait, ben moi, je dirais, fonce. C'est là. Si. Yes. Et justement, du coup, ça me permet de rebondir. Parce que hier, j'ai pris un bon commentaire sur une publicité sur Facebook en mode « Mais c'est pas prouvé, c'est que du blabla ce que vous dites. » Bref, encore un hater, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui disent « Mais il n'y a rien de scientifique, c'est pas prouvé, encore du flan. » Qu'est-ce que tu leur dis? Mais moi, je leur dirais, avant de chercher du scientifique, ben, pour moi, la vraie réalité, c'est la réalité du terrain, la réalité de la vraie vie. Donc, voilà, si le prix à payer de la curiosité, s'ils ont les moyens de leur curiosité, ben, je leur dirais, ben, essayez. Il n'y a pas plus… Parce que oui, ce n'est pas prouvé scientifiquement, etc. Bon, certes, il y a plein de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Moi, je pars du principe que voilà, ce que tu vis dans ta vraie vie, dans ton corps d'être humain, on est des êtres humains, mais c'est quand même moi, ma réalité, ma vérité. Elle est de ce que je vis, de ce que je vois et de ce que je comprends. Donc, à ces gens-là, je leur dirais, ben, soit ça vous fait du bien de rester dans cet état d'esprit et d'avoir cette croyance et continuer, mais il n'y a pas de souci, faites votre chemin. Mais si vraiment c'est quelque chose qu'on ne croit pas, mais parce qu'on se dit, mince, comment c'est possible? Mais là, j'ai envie de leur dire, mais mets en place toutes les actions nécessaires, en tout cas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir tester au moins une séance. Et après, tu verras que tu l'auras vécu de toi-même. Donc, ta vérité, ta réalité, elle sera prouvée, pas scientifiquement, mais en tout cas, humainement, elle sera prouvée. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Bon, bah, ok, bah, c'est relevé. En effet, les gens croient que je suis arrivé comme ça en claquant des doigts. Et non, comme tu l'as dit, en fait, j'ai fait énormément de formations qui font qu'aujourd'hui, bah, et j'ai eu ces blocages et j'ai traversé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aussi avoir cette certitude que, bah oui, ce qu'on fait, ça marche. Il n'y a personne en France qui le fait. Et voilà. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup, parce que moi, ça m'a aussi interpellé. Mais le problème, c'est que on est dans un métier où il y a beaucoup de concurrence, où ça prend là depuis quelques années. Donc, moi je vois les pubs qu'il y a, on te vend tellement tout le temps méthode unique, machin. C'est aussi voilà, il y en a tellement qui vendent des choses qu'au bout d'un moment on se dit ouais d'accord, ouais, si tu vois ce que je veux dire, je sais pas, je l'exprime pas bien, mais il y a tellement de gens sur le marché qui vendent avec les mots que tu as employés, méthode unique et inédite, mais en même temps à ces gens-là j'ai envie de leur dire allez voir les témoignages. Voilà, déjà, parce que c'est bien l'être humain qui témoigne de ce qu'il vit. Il n'a aucun intérêt à mentir, c'est pas des avis truqués qu'on peut écrire alors qu'il n'y a personne derrière. Donc déjà, voilà, allez voir dans la vraie vie les êtres humains, qu'est-ce qu'ils disent, et après vous faites votre propre avis. Je leur dirai ça. Voilà, bon bah voilà, super. Écoute, merci Agnès, et je vais rebondir sur une phrase que disait un de mes mentors, Mani et Sam, en même temps après. Il y a le blabla, il y a le résultat. Donc, voilà, ouais. Exactement. Donc voilà, cool, bah, super, merci beaucoup Agnès pour ton témoignage et puis pour nous l'aventure continue au sein de Tech Depot. Voilà. Mais je te remercie à toi. Ciao. Ciao, salut David.